tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du mois d'avril. Oui, je sais, nous sommes le 5, mais ce n'est pas grave, tu vois, c'est midi, je suis toute seule, je vais en profiter. Donc tu regardes pas ma tronche parce que je me suis mis l'huile de coco, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos entre midi et 2. Donc voilà. Donc on va regarder signe par signe, on va se faire une grande vidéo signe par signe. Je vous mettrai les minutages sous la vidéo dans le menu déroulant, tu vois, je mélange, d'accord. Donc tu pourras aller cliquer sur le minutage pour aller directement à ton signe pour regarder. Donc on va commencer de suite parce qu'en général c'est des vidéos qui durent extrêmement longtemps. Et on va prendre, eh ben non, on prend pas le 77, j'avais prévu le 77, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le petit tirage. On va prendre 7 cartes, on va faire le même style que le 77 mais avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui ressort pour au moins avoir la tendance du mois d'avril. Allez, c'est parti. On commence avec les lions. Je me suis mis de la cire. Ah, j'ai appuyé dans ma bougie, je me suis mis de la cire sur les doigts. De la suie. Allez, pour les lions, c'est parti. Pour le mois d'avril 2021. Allez, à la coupe, les lions. Le rêve, le mental. Cette carte-ci, elle est associée au mental. Et la tranquillité. Ah ben alors là, tu as les deux opposés. Tu as cette notion d'illusion, de rêve, de mental qui te tient la jambe. Et tu as la tranquillité qui ressort. Donc on voit peut-être qu'on va passer de tout au tout en ce mois d'avril pour toi. On va passer d'un tourment à une certaine tranquillité et un apaisement d'esprit pour ce mois d'avril. Donc c'est bien, le mental se tait. C'est plutôt pas mal pour toi. Profites-en pour mettre à jour des choses. Tant que le mental n'est pas trop présent dans ta vie, profites-en pour écouter ton intuition et tes ressentis. Mais je pense qu'il y a une situation qui risque de s'apaiser pour toi. C'est pour ça qu'on va passer d'un mental un petit peu tourmenté à un apaisement et une tranquillité. On voit que tu reprends le contrôle. Voilà, c'est plus ton mental qui va te dicter, mais que du coup tu reprends le contrôle. Tu écoutes beaucoup moins ton esprit. Alors, en carte principale, en dos de carte, je veux dire, on a la maison, le foyer. Ça peut être ton propre intérieur à toi, mais ça peut être aussi, ça peut concerner ton foyer. En énergie principale, tu as la carte de l'étranger qui ressort. Donc, il peut y avoir un rapport avec l'étranger pour toi. Ça peut nous parler aussi de nouvelles personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. En tout cas, ça va être l'énergie principale pour ce mois d'avril. Ça peut être aussi cette notion de soutien, cette carte-là, d'accord? Mais ça peut être le fait qu'il y ait de nouvelles personnes, que tu vas rencontrer de nouvelles personnes sur ton lieu de travail, par rapport à la amitié, par rapport au familial, il y a cette notion de rencontrer de nouvelles personnes. Allez, on dévoile. Le changement, première carte du jeu, le changement. Donc il y a quelque chose qui bouge pour toi. On a le retour. Le retour au changement. La protection, le bouclier. La culpabilité par rapport au changement, c'est bizarre. Il y a de la nouveauté qui va rentrer dans ta vie. On a la clairvoyance, la spiritualité. Il y a un éveil spirituel qui se remet en place aussi pour toi. Au mois d'avril. Et on a les désaccords, la lutte, les cancans, comme j'ai l'habitude de te dire. Bon, au niveau des cancans, au-dessus, la carte du dessus, c'est la protection. Donc, on voit que de ce côté-là, tu seras protégé. En tout cas, ça ne t'atteindra pas, ça t'arrivera pas aux oreilles. Après, on ne peut pas empêcher les gens de cancaner. Après, on nous parle de retour et de la spiritualité. Il y a un éveil spirituel qui se met en place. Avec la carte du retour, je pense que peut-être tu avais des capacités jadis. Et que du coup, en ce mois d'avril, tu seras beaucoup plus ouvert ou ouverte. Et on voit cette éveil spirituel qui se met en place. Tu vas peut-être comprendre des choses par rapport à ton chemin de vie. Voilà. Et ensuite, on a le changement. Donc, il y a une espèce de changement qui s'impose à toi au mois d'avril. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la culpabilité, on voit que ça risque de te faire peur. Hein. Cette carte-là risque de te faire peur. Ça peut être au niveau de la spiritualité, ce changement spirituel, cet éveil spirituel. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas la clairvoyance et la clairvoyance va se mettre en place petit à petit. Il y a un changement que tu souhaitais. C'est peut-être pas le changement que tu souhaitais réellement qui va arriver sur ton chemin, mais il y a quand même un changement. Il y a cette peur un petit peu, cette culpabilité par rapport à ce changement, mais on voit clairement un changement qui se met en place pour toi. D'où la carte de l'étranger. Donc pour moi, tu vas sur quelque chose de nouveau en ce mois d'avril. Donc tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être au niveau professionnel, comme sentimental, comme financier. Un changement, d'accord? Donc ça, tu vois par rapport à quel domaine ça te parle, parce qu'il n'y a pas de domaine précis qui est ressorti, mais on a de la nouveauté qui se met en place pour toi. Voilà. Ce changement te fait peur. Tu vas sûrement sortir de ta zone de confort malgré toi en ce mois d'avril. Mais crois-moi que ça a l'air plutôt nécessaire à ton évolution.
Ça peut concerner une maison aussi, hein. Peut-être le fait de déménager rapidement, ça peut concerner un changement de ton état habituel. Tu vas pas trop comprendre ce qui se passe. Je ressens beaucoup la spiritualité pour toi pour ce mois d'avril. Donc il y a ce changement qui se met en place. Est-ce que ce changement sera tout de même favorable, s'il vous plaît, pour les lions? Bah là on a l'âme hein, qui ressort. Hein. Donc j'ai l'impression que ça va quand même te mettre sur ton chemin. Sur ton chemin de vie, est-ce que ce changement sera favorable? En tout cas, c'est ce que tu souhaitais. Tu vois la demande. C'est ce que je ressentais. C'est ce que tu souhaitais. Donc pour moi, ce que tu souhaites arrive à toi. On a la santé qui a sauté aussi. Après, il y en a trop. Qu'est-ce qui est en rapport avec la santé? Peut-être une amélioration de ton état de santé psychologique aussi. Hein. Ah, ben voilà. Tiens, regarde, tu as tous les domaines. La santé, le travail et le domaine sentimental. Donc c'est peut-être un souhait que tu as demandé. Il y a bien un changement que tu as demandé. Pour moi, ce changement, ça y est, il arrive. Il est sûrement pour le mois d'avril. Donc pas de culpabilité. C'est quelque chose que tu as demandé. Donc c'est quelque chose que tu vas recevoir. Allez, on continue. Les poissons. Alors, les poissons pour le mois d'avril 2021. Oh, la chance! On ne déroge pas à la règle, les poissons. Et le compromis. Wouh! Bon, eh bien là, tu vas avoir une super belle opportunité, j'ai l'impression, en ce mois d'avril. Hein, petit poisson, on voit la chance, on voit une belle opportunité, on voit un compromis. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre sur ton chemin pour que tu puisses mettre à jour un projet. Ça peut être une rencontre aussi dans le domaine sentimental. On va dire que c'est avec la carte de la chance, c'est une rencontre qui va se faire vraiment par hasard alors que tu ne t'y attendais pas du tout. En tout cas, on voit une belle opportunité qui arrive pour toi. Il y a une opportunité de concrétisation, une opportunité de partenariat, de contrat, de relation sentimentale. Il y a cette chance et cet aboutissement qui se met en place. Donc pour moi, tu vas avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête. Alors, ça risque de ne pas plaire à certaines personnes autour de toi. Au niveau familial, pour les poissons, voilà, au niveau familial, ce qui va se présenter à toi risque de ne pas plaire. On voit que la joie amène la trahison, donc tu fais super attention. Mais je pense que les portes qui vont s'ouvrir risquent de jalouser autour de toi. Et ce qui est chiant, on va dire, le retour. Ce qui est chiant, c'est que c'est des personnes de ton entourage proche. Hein. La famille est ressortie, famille et famille très proche. Donc en plus, c'est ceux qu'on pense qui sont le plus de notre côté qui, en fait, au final, vont pas être super heureux pour toi. C'est pas grave, c'est ta vie. Allez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, au dos des cartes, tu as le changement. Ça y est, tu es aux portes du changement. Allez, la carte principale, la victoire. Voilà. Bon, on va aller voir ton jeu, mais en énergie principale pour ce mois d'avril, tu as la victoire. Donc, tu peux aller au front, tu vas gagner la guerre, tu vas gagner la bataille, tu gagnes tout ce mois-ci. Bien évidemment, tu as ta part de travail à faire. Si tu n'y vas pas, tu risques pas de gagner quoi que ce soit. Donc, ça sera à toi d'y aller, mais on voit qu'à chaque fois, tu as la victoire au bout. Tu es parti vainqueur pour ce mois d'avril. Voilà, on va dire ça comme ça. Les plaisirs, la sexualité, la jalousie. Alors là, on nous parle d'une tierce, on nous parle d'une triangulaire. On a le foyer qui ressort aussi, la maison. Ah. On a la chance, toujours cette notion de chance pour toi. On a la santé qui ressort. Et tu as le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Alors, au niveau sentimental, si tu te retrouves actuellement dans une triangulaire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement d'état d'esprit. Alors, on n'a que cette carte, donc on ne peut pas non plus trop développer. Et puis, de toute façon, c'est propre à chacun, d'accord? Rien ne vaut une consultation personnelle, mais là, on nous parle d'une triangulaire et pour moi, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à une triangulaire. Par rapport à la victoire, alors on ne peut pas dire c'est toi
qui va vaincre la femme ou l'homme de ton autre, d'accord? On n'est pas non plus sur ce genre d'état d'esprit-là, mais j'ai l'impression quand même qu'il y aura un aboutissement positif par rapport à un amour interdit, on va dire, ou en tout cas un amour qui ne pouvait pas sortir au grand jour. Moi, j'ai l'impression que vous allez être réunis dans le même foyer, sous le même toit, tous les deux. Ensuite, on nous parle de chance d'opportunité. On a la santé émotionnelle qui est un petit peu compliquée pour vous, les poissons. On a le serpent, donc on a la trahison du mental qui ressort dans ce jeu. Maintenant, j'ai le miroir magique, j'ai la chance. Donc, on est sur un changement aussi d'état d'esprit qui va t'amener à des choses beaucoup plus positives. La santé ressort aussi avec la chance et le miroir magique. Elle est entourée de ces deux cartes-là. Donc, pour moi, il y a une amélioration de l'état de santé. Si vous avez un souci de santé, attention, il n'y a pas de baguette magique. Je ne suis pas une magicienne. Je ne vais pas te guérir comme ça en te disant ça. Mais par contre, il se pourrait quand même qu'il y ait une amélioration. Si actuellement, tu traverses une période difficile au niveau de l'état de santé, pour moi il y a une amélioration qui va commencer à se mettre en place à partir du mois d'avril, ou en tout cas une stabilisation de tes maux. Voilà. Le miroir magique indique bien que le plus dur est derrière toi et que le renouveau est en train de se mettre en place. En même temps, tu as la carte du changement qui ressort en dos de carte. Tu as le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Les seules mauvaises cartes qu'il y a dans ton jeu, c'est la jalousie qui pourrait avoir un rapport avec la triangulaire. Donc dans le domaine sentimental, j'ai envie de te dire que pour moi, les choses vont s'améliorer dans ta relation, ou en tout cas pour toi. Par rapport à la jalousie aussi, hein, il se pourrait que dans ton foyer ou autour de toi, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu jalouses par rapport à cette bonne étoile que tu vas avoir au-dessus de la tête, mais tu ne seras pas atteinte avec la carte du miroir magique. Voilà, donc ce mois-ci, les poissons, vous pouvez y aller, allez-y, vous en sortirez vainqueur. Le changement, c'est maintenant pour toi. Allez, on continue. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. L'étranger, le soutien, une autre région, un autre pays qui ressort, quelque chose que tu ne connais pas encore. La fécondité. Donc pour toi, pour le mois d'avril, il va être assez fructueux, on va dire, pour mettre en place de la nouveauté. Commencer à réfléchir à de la nouveauté. Pourquoi réfléchir? Parce qu'on a la fécondité. La fécondité, c'est quelque chose qui est en train de grandir, mais ça n'a pas encore abouti. C'est pas encore prêt à naître. On voit que tu vas faire grandir quelque chose en toi. Donc la carte de l'étranger, ça peut être avoir une envie de déménager à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être... d'avoir une proposition professionnelle dans une autre région ou dans un autre pays. On voit qu'il y a quelque chose qui va commencer à grandir en toi. Il y a une petite réflexion, un petit projet, une envie, un changement. Quelque chose qui va commencer à grandir en rapport avec l'étranger ou en rapport avec une autre région ou quelque chose de nouveau. D'accord? Parce que pour moi, l'étranger, quand c'est étranger, c'est quelque chose que tu ne connais pas. D'accord? Donc peut-être que tu vas avoir envie de nouveauté, tu vas avoir envie d'une reconversion professionnelle ou tu vas commencer à mettre en place une reconversion professionnelle. Parce que là, la fécondité indique bien que le bébé grandit, grandit, grandit. Regarde ce qu'il y a en dessous. On a le compromis. Bon, certes, on a le retard, mais on a la réussite au bout. Donc, ne te laisse pas hypnotiser. Si jamais tu rencontres des cailloux au milieu de ton chemin, tu les contournes. Parce qu'on voit bien que même si ton projet prend du retard, il ne sera pas prématuré, ça c'est sûr. Même s'il prend du retard, il y a un aboutissement positif. Et puis si tu as une envie, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas pour rien qu'elle est là. L'hérédité qui vient de sauter. On a quelque chose qui va durer sur le long terme. Qui va durer dans le temps. Allez, on fait le tirage. Oh, c'est mon ventre. C'est midi 12. J'ai fait un midi 12. Allez. Le dos des cartes. L'amour, la passion. Ça peut être en rapport avec un projet aussi, quelque chose que tu as dans le cœur, mais on a le sentimental. Ça, c'est l'amour avec le grand A. C'est l'âme sœur, c'est ton autre. Allez, l'énergie principale pour toi, le cadeau. Bon, ce mois d'avril a l'air plutôt pas mal. Pour le moment, ça se passe bien pour tout le monde. On a le cadeau qui ressort. Donc, le fait
T'as beaucoup de mains tendues vers toi. Hein. L'étranger tout à l'heure, la main au-dessus de l'autre, le cadeau qui vient vers toi. Donc il y a vraiment cette notion de soutien aussi pour toi pour ce mois d'avril. Donc on voit des personnes qui vont te soutenir ou qui vont soutenir ton projet, des personnes qui vont t'aider. Ça peut être de l'aide. En tout cas, on te tend la main, mais il y a une belle opportunité aussi qui vient vers toi avec ce cadeau tendu vers toi. Donc il se pourrait que ce soit un mois rempli de surprises. Allez, le déménagement, le changement. T'as vu, ça je l'avais ressenti aussi. La grossesse aussi, hein. La victoire. Le miroir magique. Putain, t'as un jeu, toi. Les désaccords, les discussions. Bon, on a vu l'hérédité tout à l'heure qui ressortait. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en accord avec tes projets. Mais ça, c'est pas grave. La joie. Il n'y a rien qui va te. Et le retard. Voilà, ça s'est ressorti aussi tout à l'heure. Donc, tu vois, t'as un jeu, il est juste superbe. Un mois rempli de surprises. Ça peut être autant des surprises extrêmement positives avec la carte de la victoire et la carte du miroir magique. Mais ça peut être aussi des surprises un petit peu difficiles ou chiantes avec la carte des désaccords, des cancans et avec la carte du retard. Donc, tu vas avoir vraiment un mois où tu vas te prendre des coups de sang. Il va falloir que tu prennes soin de ton petit cœur parce que tu vas avoir des palpitations extrêmement positives comme des palpitations extrêmement négatives. D'accord? Donc, t'as un mois pas dans deux si, c'est pas ce que je te dis, mais en émotion vraiment soutenue, j'ai envie de te l'annoncer comme ça. Au niveau sentimental, tu as un jeu juste sublime. Je pense que pour certains couples, vous allez prendre la décision de devenir parent, donc de mettre un petit bébé en route, ou un deuxième, ou un troisième, ou un quatrième. Hein, ça, c'est toi qui le vois par rapport à ta situation. Mais pour moi, il y a soit des grossesses de prévues, soit une union officielle dans le domaine du couple, soit une super belle rencontre. Je maintiens aussi cette notion de déménagement et de mutation au niveau de l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, si tel est le cas et que tu te reconnais dans ce message, moi j'ai la victoire et le miroir magique, donc ça sera accepté. Il se pourrait que tu en reçoives des nouvelles en ce mois d'avril pour un déménagement d'ici cet été. La victoire, la joie, que dire dans ton jeu, Capricorne? Franchement, le miroir magique indique bien que ça annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc le retard, les cancans, les désaccords, les personnes qui ne seront pas en accord avec tes projets, ça ne sera que passager sur ton chemin. Ça sera éphémère, ça sera un orage au-dessus de ta tête qui finira par passer pour laisser place au soleil, d'accord? Ça va pas durer trois plombes non plus. On en voit un petit peu dans ton mois d'avril, donc il y aura un petit peu de zone d'ombre dans le mois d'avril, mais c'est pareil, il va falloir que tu t'accroches. Si c'est vraiment ce que tu veux, il va falloir que tu t'accroches. En tout cas, on a beaucoup plus de cartes positives que de cartes négatives pour toi. Donc je pense réellement que ça sera un mois largement surmontable et un mois avec beaucoup plus de cadeaux que de disputes. Tu as un mois sublime. Fonce! Café. Allez les vierges. Allez les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ah. Les vierges, on a quelque chose d'officiel qui te revient en ce mois d'avril. La loi, c'est l'officialisation. Ça peut être en rapport avec un problème juridique. Ça peut être des nouvelles d'un avocat. Ça peut être des nouvelles de la justice. Il y a quelque chose qui revient à toi au niveau de la loi. Rappel à la loi, j'entends aussi. Alors attention. Attention, les fraudes, j'entends les fraudes. Bon, en tout cas, si tu es dans un problème juridique, je pense que tu t'en sortiras avec un petit rappel à la loi. Tu vois si ça te parle, hein. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq. 6 et 7. Allez, qu'est-ce que tu as en dos de carte? Les plaisirs, la sexualité, les plaisirs. Au niveau sentimental, on va voir dans le jeu, mais avec cette carte-là, déjà, on nous explique qu'il n'y a pas grand-chose de concret pour ce mois d'avril. Peut-être des petites rencontres, des petits flirts, mais pas plus que ça, avec la carte de la sexualité. Allez, en énergie principale, tu as la spiritualité. Voilà, bam, ça c'est fait. Donc les vierges, on voit cette notion de spiritualité. Donc peut-être un sixième sens encore plus développé ce mois-ci. Ou en tout cas, on va te demander de le travailler encore plus ce mois-ci. Ou alors, il y aura cette notion d'éveil spirituel qui va se mettre en place. Où tu vas commencer à comprendre des choses et à comprendre pourquoi tu es fait. Ou ce que tu devrais mettre en place. Mais il y a vraiment cette notion de magie, de spiritualité qui ressort. Peut-être tu vas être de plus en plus attiré à ça. On voit un éveil spirituel ou quelque chose au niveau de la spiritualité qui se met en place. On a un verdict qui tombe. Le retour et la loi peut nous parler aussi de mise en auto-entreprise, d'officialisation dans ce domaine de la spiritualité aussi, hein. Ose y vivre au grand jour, qui tu es réellement. Le verdict, la naissance, la nouveauté, la construction.
Tu vois, une maison en construction, un nouveau chemin, un bébé tout neuf. On a la naissance de quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui va naître. On a la culpabilité qui ressort. Pourquoi la culpabilité? On a les accusations, parce qu'on va essayer de te faire changer de chemin, peut-être. La chance, la naissance, c'est la chance. Et on a la réussite, on a aussi les formations. Alors le domaine de la spiritualité, bon, ça parle ou ça parle pas, hein. De toute façon, je prends le risque, mais on est vraiment sur le domaine de la spiritualité. Pour certains d'entre vous, il y en a certains qui vont décider de choisir ce chemin-là, ce domaine de la spiritualité, la divination, la médiumnité, le soin, la guérison, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je sais pas, c'est pas mon domaine. Mais on a ce côté spiritualité et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment, voilà, il y a le verdict et la naissance, donc ça y est, on a bien réfléchi, on a bien compris ce pourquoi on était là. Maintenant, on va mettre les choses en place. Il y a peut-être une formation, cette notion, peut-être le magnétisme, hein, parce qu'on a la main là qui ressort en général, ça peut nous parler de magnétisme. Mais il va y avoir, ça y est, vous allez mettre à jour, vous allez vous inscrire à une formation, il y a cet apprentissage qui ressort dans le domaine de la spiritualité. Maintenant, sur votre chemin aussi, ça peut être aussi la carte du plaisir, hein, tu vois, voilà. Tu as trouvé qui tu étais. La carte de l'âme et le plaisir. Hein. Tu as trouvé la carte que... Ah, tu as trouvé la personne que tu étais, je veux dire, voilà. Ce qui te faisait vibrer dans la vie. Je suis hyper concentrée, mais j'ai trop envie de vous sortir la vidéo là, donc j'y vais, hein. Par contre, on a la culpabilité, les accusations qui ressortent aussi dans ton jeu. Donc ça peut être par rapport à la formation. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard par rapport à la formation. Peut-être que tu vas t'inscrire pour le mois d'avril et que ça se fera un petit peu plus loin. Par rapport à une demande, on a la culpabilité. Donc il se pourrait qu'il y ait un petit peu de retard par rapport à la formation. Mais ce que je ressens aussi, c'est que par rapport au nouveau chemin de vie que tu veux mettre en place, il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier. Il y a des personnes qui vont te dire que tu es complètement barge, que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu as un travail, un salaire. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi ça ne te plaît pas? Pourquoi tu veux prendre des risques? Voilà, il y a cette notion de personnes qui vont essayer de te faire culpabiliser, mais on voit quand même que même si tu as cette culpabilité et même si ça va t'amener à avoir des doutes, on voit que tu tiens ton chemin et que tu continues, que tu le mets à jour parce qu'il y a la naissance. Donc tu fais quand même ce que tu ressens et ce que tu as envie et ça c'est extrêmement bien. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde te suive aussi. On n'a pas des personnes qui te tournent le dos dans ton jeu, on n'a pas des séparations, on n'a pas des personnes qui vraiment sortent de ta vie. Par contre, on a des personnes qui vont un petit peu essayer de te raisonner parce que eux ne l'auraient pas fait et comprennent pas que toi tu puisses le faire. Voilà. Mais pour moi, il y a une concrétisation au niveau de la spiritualité qui ressort. Alors, si tu te reconnais pas dans le domaine de la spiritualité, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de vierges, mais si tu te reconnais pas, en tout cas, pour généraliser le message, on voit une reconversion dans le domaine professionnel ou un changement de direction par rapport à un projet. Parce qu'avec la carte de la formation, on voit un nouvel apprentissage. La naissance, la formation, on voit un nouvel apprentissage. Et je pense que tu auras une belle opportunité sur ton chemin avec la carte de la chance qui va t'amener à apprendre de nouvelles choses. Voilà. Allez. Les Verseaux. Les Verseaux pour le mois d'avril 2021. Oh, il y a une carte qui s'est retournée, hein. La chance. Les opportunités. J'ai fait 5 signes et elle est sortie pour les 5, hein. Allez, les Verseaux. C'est parti à la coupe. Le boomerang. Le retour. Le karma. L'instabilité. Bon, eh bien, il y a le retour à l'instabilité pour vous en ce mois d'avril hein, qui ressort. L'instabilité n'est pas forcément une carte négative parce que regarde ce qu'il y a en dessous, on a la chance et on a l'ouverture qui ressort. On a aussi l'échec qui est présent dans ton jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a l'instabilité parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et les choses qui ne vont pas fonctionner, il se pourrait que toi, tu avais envie qu'elles fonctionnent et du coup, ça risque un petit peu de te frustrer et de créer de l'instabilité. Mais mine de rien, on voit que tu perds certaines choses en ce mois d'avril, mais que tu en gagnes d'autres beaucoup mieux. Donc si on pouvait éviter cette instabilité, ça serait bien. On a le retour à l'instabilité, ouais, parce qu'il y a des choses qui vont pas marcher comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui vont sortir de votre vie malgré vous et ça risque de ne pas vous plaire. Ou en tout cas, ça risque de vous déstabiliser sur votre conditionnement que vous étiez mis. Mais n'ayez pas peur parce qu'on a quand même la réussite et l'ouverture qui ressort dans le jeu. Donc c'est un mal pour un bien. Allez, une. Ah, là t'as deux cartes. Mais tant pis, on garde les deux. 3, 4. 5, 6, carte principale, le dos des cartes, tu as le contrat, la signature, l'aboutissement, le contrat dans le domaine professionnel, cette carte-ci, elle m'indique un CDI, hein. C'est le contrat celui-là, cette carte-là, c'est pas un compromis où on a un accord officieux, on est sur quelque chose d'officiel, on a une signature officielle qui se met en place pour toi au mois d'avril.
Alors, l'énergie principale, on a la fatalité. Donc, on a bien une déception. On a bien, quand même, moi, où j'ai l'impression qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent avec la carte du contrat. On a quand même eu de belles cartes, la réussite, l'ouverture, les solutions qui ressortent. Mais on a la déception. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont vraiment se passer comme tu ne l'avais pas prévu comme ça. Voilà. Mais il faut vraiment que tu te dises que si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu vas acheter une maison. C'est absolument celle-là que tu veux. Et pourtant, ce n'est pas celle-là qui t'est destinée. Donc, ça ne se fera pas. Mais par contre, tu en trouveras une encore mieux juste derrière. Tu vois? Voilà. Donc, il y a cette notion de déception, mais qui sera quand même apaisée par ce contrat et cette signature. Allez, les cartes. Alors là, tu en as deux. On nous parle d'amitié à distance, on nous parle de sincérité, on nous parle de fidélité. Ah, il se pourrait que tu te fasses de nouvelles relations ce mois-ci. On a toujours ce boomerang qui ressort. Il se pourrait que tu aies la visite de certaines personnes de ton entourage amical. Des petites surprises. On a la sexualité. Alors là, ça peut nous parler aussi de retour dans le domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait une reprise. Une reprise de relation. Tu sais, genre, on se voit pas, ça se passe bien, et dès qu'on se recroise, on ne peut pas résister. Voilà, il y a ça que je ressens par rapport au domaine sentimental. Mais par contre, il n'y a pas d'officialisation hein, dans ce domaine-là. On est vraiment sur une attirance très, très fusionnelle et corporelle, hein, une attirance physique. Mais après, on n'officialise pas, quoi. On n'officialise pas. On est déjà sortis ensemble. On est restés amis parce que ça n'a pas marché. Et il se pourrait qu'au mois d'avril, il y ait des petits écarts encore. Après, on a les disputes, on a la dualité. Ah, on a les amoureux. Ouais, tu vois, parce que ouais, ça colle pas. Hein. Et on a les accusations. Ah, ça colle pas. Ça colle pas, ça colle pas. Par rapport au projet, j'ai un très bon ressenti. Garde en tête que ça risque de ne pas se passer comme prévu. Comme toi, tu l'avais prévu, mais il y a quand même un aboutissement positif avec la carte du contrat, la réussite, les solutions qu'on a eues tout à l'heure aussi. Voilà. Au niveau sentimental, il y a une relation qui essaye de se faire, mais ça marche pas, ça colle pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que vous vous sentez mieux en ami qu'en amant ou qu'en relation sentimentale. Pour moi, il y a une reprise d'une relation avec quelqu'un avec qui on a déjà tenté. Mais ça va pas refonctionner. Ça refonctionne pas. Ça va pas, vous prenez trop la tête. Alors peut-être vous êtes trop fusionnel justement et vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Du coup, ça clash. Quand vous êtes en relation sentimentale, ça clash. En amical, ça passe. En relation sentimentale, ça clash. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de la déception, hein, le fait de réessayer quelque chose, de se redonner une chance et le fait que ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a une espèce de remaniement pour toi, petit Verseau, pour le mois d'avril. Il y a quelque chose qui va essayer de se remettre en place. Il y a des choses qui se mettent en place, mais rien ne va se passer comme tu l'auras prévu. Alors toi, tu vas être l'exemple type en ce mois d'avril que on gère pas. Voilà, il va falloir vraiment que tu te mettes dans la tête qu'on ne peut pas tout gérer dans la vie. Parce que là, il va falloir que tu essayes de laisser faire les choses et que tu aies une entière confiance en l'univers, parce que rien ne va se passer comme prévu pour toi. Rien. Voilà. Attends. Allez, c'est reparti, j'ai fait une petite pause. Allez, pour les cancers. Oh, c'est flou. Cancer. Allez, les cancers pour le mois d'avril. Oh, je suis trop contente de vous faire la vidéo. Avril 2021 pour les cancers. Hop là. Ouh, regarde ce qui a sauté. Déménagement, miroir magique, changement, miroir magique. Donc on est sur un mois extrêmement magnifique pour toi. Tu la connais si tu as l'habitude de me suivre. Le miroir magique, la meilleure carte du jeu. J'ai l'impression que rien ne pourra t'atteindre ce mois-ci et que tu vas mettre en place ce changement. Regarde, tu as la réussite qui est ressortie aussi. L'apprentissage, une reconversion professionnelle. Waouh. Il y a une réussite au niveau d'une formation, il y a une réussite au niveau d'un examen que tu aurais passé ou d'un. Ouais, si, c'est un examen. Hein. Ou. Merde, comment ça s'appelle? Ouais, si, c'est un examen. Il y a une réussite au niveau d'un examen qui ressort pour toi. Un truc que tu as passé. Voilà, ça me fait penser comme un petit peu comme un permis de conduire, tu vois, ou l'examen d'entrée à une école, comme un examen pour l'école de policiers, l'école de gendarmerie,
les pompiers, je sais pas, tu sais, un examen comme ça me fait penser. Allez, à la coupe. La tranquillité. Bon, fidèle au cancer, un mois plutôt paisible. Et la protection. Donc déjà, au niveau émotionnel, bon, on a tous nos émotions d'être humain, mais j'ai envie de dire au niveau émotionnel, on a la protection, on a la tranquillité qui ressort. On est sur un mois plutôt paisible pour toi, on est sur un mois plutôt tranquille, on a vu de très belles cartes, on a vu le miroir magique, donc j'ai l'impression que rien ne pourra t'atteindre. Même si des serpents essayent de traîner autour de toi, on va regarder dans ton tirage, il n'y a rien qui va t'atteindre parce que la positivité sera telle, les belles choses seront telles que rien ne t'atteindra. On pourra te faire n'importe quelle remarque, rien ne t'atteindra. Par contre, je ressens des personnes qui ont des capacités dans le magnétisme, dans le jeu. Un homme, notamment. L'énergie masculine. Allez, on va faire le tirage. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Si tu entends taper, c'est normal, hein? C'est parce qu'ils viennent de rentrer des courses, du coup. Allez, cette carte. La culpabilité qui ressort, elle t'atteint pas. Pour moi, la culpabilité, elle est terminée. Le consultant, attends, je regarde ce qu'il y a en dessous. Le voyage, le nouveau départ, on quitte cette culpabilité. Tu vois, j'ai ressenti peut-être des serpents, quoi, peut-être au niveau de la famille, une culpabilité. C'est pas une culpabilité du style je vais pas y arriver, je suis nulle, c'est pas ça. C'est une culpabilité peut-être de quitter. Justement, ça fait penser quand même peut-être un départ à la retraite, tu vois? Voilà. Ou de quitter un lieu de travail, t'as voulu changer pour évoluer, mais mine de rien, t'aimais bien ton lieu de travail quand même. Tu vois, voilà, c'est ce genre de culpabilité qui ressort. Allez, en énergie principale, on a la carte de l'échec qui est ressortie, l'échec n'est pas, avec la carte du miroir magique qui est ressortie pour toi. Pour moi, c'est la fin de l'échec. On va essayer de la recouvrir pour voir pourquoi l'échec. Voilà, tu vois, la réussite, c'est la fin de l'échec, hein. On va la garder, cette carte-ci. Il se pourrait que tu réussisses justement l'échec et la formation. Il se pourrait que tu aies déjà passé plusieurs fois un concours. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, un concours. Il se pourrait que tu aies passé plusieurs fois un concours qui a échoué ou tu n'as pas réussi. Et il se pourrait que tu l'aies repassé ou que tu décides de le repasser. Cette fois-ci, un aboutissement positif. Derrière un échec, il y a une réussite. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui revienne sur le tapis en ce mois d'avril. Quelque chose que tu as échoué par le passé plusieurs fois, mais que tu vas réussir ce mois-ci ou cette année. La carte de la chance. Ne baisse pas les bras. Voilà, l'enfermement. Ne baisse pas les bras. L'homme, l'énergie masculine, hein, tu vois, de vainqueur, de conquérant qui ressort, hein, dans ton jeu, hein. La naissance, la chance, la naissance, la nouveauté, le travail, tu vois, c'est ce que j'avais ressenti au niveau professionnel. La loi, le travail, la loi, l'homme, ça peut être effectivement un concours ou quelque chose en rapport avec la loi, donc peut-être la police, la gendarmerie, je t'ai dit, ou les pompiers, cette éducation un petit peu militaire, tu vois, quelque chose en rapport avec la loi, notaire, avocat. On voit quand même un cursus scolaire ou quelque chose au niveau des concours qui ont pu échouer par le passé, mais je pense que tu vas avoir l'opportunité de pouvoir le repasser et on voit la réussite cette fois-ci. On voit quelqu'un d'introverti dans le jeu, c'est peut-être toi, hein, d'accord? Quelqu'un d'assez introverti, quelqu'un qui se replie facilement sur lui-même et on va te demander de sortir de ta coquille ce mois-ci pour retourner au front parce qu'il se pourrait que ça fonctionne super bien. Voilà. Ou peut-être que jusqu'à maintenant, si ça n'a pas fonctionné, si ça te parle par rapport à ces concours ou ces examens ou ces formations, c'est peut-être justement parce que tu es trop introverti, trop comme ça, quand tu passes l'oral notamment ou quand tu es face à certaines personnes. Et on va te demander de relever un petit peu plus la tête, d'accord? De sortir de ce repli et d'extérioriser un petit peu plus qui tu es. Et cette fois-ci, ça va fonctionner. Il y a peut-être un petit remaniement à faire, il n'y a rien de bien grave. En tout cas, au niveau de l'intellect, pour moi, c'est là. T'es pas plus nul qu'un autre, tu vas y arriver. Maintenant, il y a un petit changement comportemental à mettre en place. Une tenue,
une tenue de toi un petit peu plus sûre. Montre que tu es sûr de toi et que tu peux y arriver. C'est peut-être ça qui va faire la différence par rapport aux autres fois, d'accord? Mais en tout cas, on voit la chance, on voit la naissance, on voit quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être aussi une belle opportunité au niveau professionnel de décrocher un CDI. Le travail, la loi, l'officialisation au niveau professionnel de décrocher enfin un CDI, d'accord? Ça peut être aussi une officialisation au niveau d'auto-entreprise, une auto-entreprise, se mettre à son compte au niveau pro. En tout cas, on a la naissance de quelque chose. On n'est pas sur une gestation, on n'est pas sur quelque chose qui grandit, on est sur quelque chose qui est abouti dans ton jeu. Donc, on a un mois d'avril où il y a un aboutissement. On sort de l'échec pour aller sur de la réussite. Donc, si tu as envie de refaire quelque chose ou de remettre quelque chose à jour, mets-le en place parce que ce mois-ci est très favorable pour toi. Attends. Allez, on continue. Je fais des petites pauses parce que des longues vidéos, moi. Allez, c'est parti. Donc, on va faire les taureaux. Allez, les taureaux, c'est parti. Donc, pour le mois d'avril 2021. Pour les taureaux. Allez, c'est parti. À la coupe. La trahison qui ressort. Attention. La fécondité, attention à la trahison qui ressort. Alors, j'ai envie de te dire que par rapport... oh là là, il peut y avoir des grossesses surprises pour certaines d'entre vous. Ou même certains, hein, du coup, tu vas apprendre que ton autre est enceinte alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est ce que je ressens. La trahison, sexualité, fécondité, il pourrait y avoir des grossesses surprises. Mais ça peut nous parler aussi par rapport à ton nouveau chemin. Peut-être que tu as de nouvelles idées créatrices, tu as envie de mettre de nouvelles choses en place. Fais attention à qui tu fais confiance, fais attention à qui tu parles de tes projets, parce qu'on pourrait essayer de t'avoir. Il y a vraiment cette notion où on te demande de changer de direction et là, il y aura la victoire. Moi, j'ai l'impression que tu vas rencontrer de mauvaises personnes sur ton chemin, un petit peu comme Pinocchio, tu sais, qui n'a pas rencontré les bonnes personnes et qui du coup s'est fait avoir. Et ben, la carte de la trahison, pour toi, ce mois-ci, c'est comme ça qu'elle me fait... C'est à ça qu'elle me fait penser. Tu as de très bonnes idées créatrices, tu as de très bons projets qui sont en train de grandir en toi. Il y a une victoire au bout, mais par contre, on va te demander de changer de direction parce qu'il se pourrait que tu sois en train de discuter ou de monter quelque chose avec quelqu'un et ça finira... Comment te dire en queue de poisson, j'allais te dire. Ouais, ça finira pas super bien. Cette personne finira par te la mettre à l'envers. Par contre, en changement de direction, en changement de chemin, cette fois-ci, on a la victoire, d'accord? Donc si tu sens effectivement qu'il y a quelque chose qui... Tu vois, ça peut être en rapport avec de l'argent, hein. Attention. Ça peut être en rapport avec de l'argent. Je vois que j'ai la main qui me gratte et j'ai pensé à l'argent. Donc, il peut y avoir aller choper dans les caisses ou quelqu'un en fait qui ou en qui tu peux pas avoir confiance. Donc, fais attention à ça. Ça, c'était la coupe. Si tu entends taper, c'est mon fils qui joue au tennis dehors et la balle, elle tape contre la vitre. Hein, n'aie pas peur. Allez. Une. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, tu as les amoureux qui ressortent. L'amour, le vrai, le grand, le avec le grand A. Allez, en énergie principale, tu as un verdict. Donc, il y a quelque chose qui va tomber. Donc, tout à l'heure, on a vu la trahison. Il se pourrait justement que cette trahison, elle se mette à jour et que tu te rends compte que certaines personnes ont essayé de t'avoir ou ont réussi à t'avoir. Il y a un verdict qui tombe pour toi en ce mois d'avril. Hein. Peut-être que tu attends une décision finale, que tu attends une réponse pour quelque chose. Il y a un verdict qui va tomber. Alors, on a la joie. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle qui arrive à toi. C'est un bon verdict. Le verdict est positif. On a l'argent qui ressort aussi. On a le temps. Donc, il se pourrait qu'il y ait une amélioration financière pour toi au mois d'avril. Hein. On a la tranquillité, tu vois. On voit que c'est beaucoup plus apaisé au niveau des finances. On a le travail qui ressort avec l'argent. Et on a l'illusion. On a toujours cette notion de serpent qui traîne. Donc, si jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui bloque ou que tu ne vois pas une évolution au niveau financier, attention à cette trahison et ce serpent. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues de ce côté-là. Bon, en tout cas, on voit un verdict assez positif, on voit la joie, on voit la tranquillité au niveau professionnel, on voit les sous qui rentrent dans les caisses.
Donc peut-être que s'il y avait des fuites jusqu'à maintenant, que si ça rentrait pas super bien, il se pourrait qu'il y en ait certains peut-être qui se soient un petit peu servis dans les caisses de ta société, d'accord? Ou alors il se pourrait qu'au niveau d'une hiérarchie, on t'ait un petit peu menti au niveau d'une augmentation de salaire en te disant qu'on ne pouvait pas faire rentrer des sous parce qu'il n'y en avait pas assez. Bon, je ne sais pas si tu me suis, si ça te parle. En tout cas, pour moi, on voit une augmentation, on voit une amélioration financière. Même si par le passé tu as vécu un temps un petit peu difficile au niveau des finances, avec la trahison et le serpent aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont pris des sous, qui te les ont pas rendus, du coup ça t'a mis dans une galère, d'accord? On s'est un petit peu servi de toi. Je sens quelqu'un qui, ouais, je sens que tu t'es fait, comme si tu t'étais fait abuser, comme si tu t'es fait avoir par rapport à ton empathie, ton hypersensibilité, ta gentillesse. Tu vois, j'avais bien ressenti l'argent, l'argent est ressorti, mais on est sur un mois d'avril où il y a cette amélioration financière qui revient et qui se met en place, et du coup, t'allèges l'esprit avec cette carte de la tranquillité. On voit que pendant un moment, ça t'a perturbé, cet argent, mais on voit que voilà, si tu étais à la recherche d'un emploi, il se pourrait qu'il y ait un travail qui se mette en place. On a l'argent, on a le travail qui est présent, on a la joie. Il y a un verdict. Peut-être que tu attendais une somme d'argent aussi, hein, et que sans cette somme d'argent, tu ne pouvais pas aller vers la nouveauté ou mettre à jour tes projets ou tourner une page. Il se pourrait que ce verdict au niveau des finances, que tu reçoives enfin cet argent qui t'est dû depuis un moment, de la part d'une personne en plus assez malveillante avec cette carte du serpent, entre parenthèses. Ça peut nous parler d'un divorce avec la carte des amoureux, avec un pervers ou une perverse narcissique, d'accord? Il se pourrait que tu récupères cet argent. En ce mois d'avril, d'où la tranquillité financière qui revient pour toi. Donc toi, c'est beaucoup les finances qui ressortent dans ton jeu pour ce mois d'avril avec cette amélioration financière. Voilà. Mais il se pourrait que ça soit dû soit à un divorce, peut-être un divorce, une rupture conventionnelle aussi peut-être, ou alors de l'argent que tu vas récupérer qu'on t'a volé. Je me débouche les oreilles. Peut-être qu'on t'a volé de l'argent et que tu vas récupérer cet argent. Mais en tout cas, voilà. Le maître mot pour toi, c'est l'amélioration financière pour ce mois d'avril. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Allez, à la coupe, les Gémeaux, les désaccords, les paroles, les disputes, les cancans. Et le travail. Bon, ça va parler là, hein. Ce mois-ci, au niveau professionnel, ça va cancaner, ça va parler. Pourquoi? On nous parle de séparation, on nous parle de formation, on nous parle de reconversion, on nous parle d'évolution, on nous parle de hiérarchie, on nous parle de tranquillité. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi au niveau professionnel, mais alors ça va parler derrière ton dos par contre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui visaient un poste ou qui visaient une formation, c'est toi qui vas l'avoir en ce mois d'avril, et du coup, ça va pas mal critiquer. Donc, ça, il va falloir que tu t'y attendes, que tu vas être dans le collimateur de certaines personnes au niveau professionnel. Par rapport à une évolution, tu vas peut-être avoir une proposition de nouveau poste, une proposition de mutation en interne, parce qu'on a la séparation. Donc on voit que tu quittes quelque chose pour quelque chose d'évolutif. Donc peut-être beaucoup plus de responsabilités, on va te proposer un poste beaucoup plus intéressant. Seulement, il n'y a pas que toi qui le convoitais, et du coup, ça risque de cancaner. Donc au niveau professionnel, il y a une très belle évolution qui se met en place pour toi. Il y a quelque chose de joli qui vient pour toi. Par contre, ça risque de pas plaire à certains collègues, hein. Mais ça, tu t'en fous. Allez, on va faire le tirage. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors, au dos des cartes, tu as le temps, l'argent, la santé. Le temps, l'argent et la santé qui ressort pour toi. On a deux domaines. On a le financier et la santé. Et on a le temps quand même. C'est la dernière carte du jeu. On a le temps. Donc peut-être après un temps d'attente, il y a peut-être une amélioration financière qui du coup va t'amener à une amélioration de ton état de santé. Ça peut me parler aussi d'une prime pour les professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Vous allez peut-être recevoir une prime en ce mois d'avril. Bon. L'énergie principale, c'est le compromis, c'est un accord, c'est quelque chose. Voilà, tu as demandé quelque chose, on te l'accorde. Voilà, il y a clairement un accord. Donc tu l'adaptes à ta situation professionnelle, sentimentale. On voit un accord, on voit un compromis, il y a un serrage de main, il y a quelque chose qui se concrétise pour toi.
Il y a la formation qui est ressortie tout à l'heure à la coupe. Peut-être que tu as demandé une formation, que tu as demandé une évolution dans le cadre de ton professionnel, tu as demandé peut-être une VAE. En tout cas, il y a quelque chose qui est accepté pour toi. Allez, le tirage. On a la femme. On a l'amitié, la sincérité. Ah, déjà, la carte de la femme, c'est une femme à côté de toi. Hein. Ce n'est pas la carte du consultant, ça, c'est la carte qui est... Il y a une femme dans ton tirage. On a les plaisirs. On a quelqu'un qui est très, très sincère autour de toi. Ce mois-ci, on a vraiment une amitié sincère autour de toi. Alors, même s'il y a des cancans, j'ai envie de dire que les personnes qui cancanent ou les personnes qui parlent mal de toi, ce sont vraiment des personnes à sortir de ta vie. Parce que les personnes sincères, il y en a aussi dans ton jeu. Hein. On a la fatalité. Au niveau sentimental, c'est pas trop ça par contre. Hein. On a la fécondité qui ressort. Il y a de nouveaux amis. Hein. Et on a la chance. Il y a de nouvelles rencontres dans le domaine amical qui ressort. Dans le domaine sentimental, pour moi, on a la sexualité, on a la fatalité. Il y a peut-être des grossesses surprises qui ressortent avec la carte de la fécondité aussi. Donc attention aux grossesses surprises, d'accord? Mais au niveau sentimental, je vois plus vos projets ou le professionnel qui monte très très bien, qui évolue super bien plutôt que le sentimental. Le sentimental, il y a encore une déception qui ressort ce mois-ci. Donc il y aura peut-être une rencontre, par contre, ça sera un flirt. Ça sera un flirt ou ça sera une relation sans lendemain. On n'est pas encore sur la rencontre du siècle. J'ai dit pas encore parce qu'on a tous droit à l'amour, mais c'est pas ce mois-ci, à mon avis, que ça va arriver. Ensuite, on nous parle de nouvelles rencontres amicales. Les nouvelles personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, peut-être par rapport à cette formation, par rapport à une reconversion, ou par rapport à tes projets, ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin seront des personnes sincères et fidèles, par contre. Voilà, ça c'est bon à savoir, d'accord? On a une période de chance pour pouvoir mettre à jour des projets. Cette carte-là est sortie pour tous les signes, quasiment la chance. Donc on va rentrer vraiment dans des énergies super positives et des énergies où certaines choses vont fonctionner. On ne saura pas comment elles vont fonctionner, mais elles vont fonctionner. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des coups de pouce de l'univers ce mois-ci. En tout cas, tu vas avoir une fatalité qui va t'amener à mettre à jour de nouveaux projets. Donc il va y avoir une déception qui va te faire comprendre certaines choses et qui va t'amener sur un autre chemin. Comment te dire? Ça va te donner peut-être encore plus la rage. Tu vois ce que je veux dire? Ou cette fatalité, cette déception va te faire comprendre que c'était pas un lieu pour toi ou des personnes pour toi ou un projet pour toi. Et ça va t'amener à faire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour toi. J'espère que tu me suis. En tout cas, on a un compromis, on a un serrage de main. On va avoir de belles opportunités ce mois-ci avec la carte de la chance. Et on a vu au niveau professionnel une évolution. On voit des personnes qui ne seront pas super contentes. En tout cas, si ces personnes-là, tu vois leur vrai visage, au moins ça t'évitera d'avoir encore des faux culs autour de toi. Voilà, hein, ça risque de te décevoir, tu risques de tomber du 10e étage, mais au moins tu verras le vrai visage de certaines personnes. Donc un mois avec des opportunités, un mois avec une demande qui sera acceptée. Voilà, tu as demandé quelque chose et ce sera enfin le mois où on va te dire, où on va t'annoncer que c'est positif et qu'on t'accorde ce que tu as demandé. Par contre, le sentimental, les Gémeaux, hein, c'est pas ce mois-ci qu'on va rencontrer l'âme sœur. Hein. On est bien d'accord. Hein. Allez. Allez, on continue avec les Sagittaires. Attends, me débouche le nez. Allez, les Sagittaires, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. À la coupe, on a l'homme qui ressort. Et on a le travail qui ressort. Bon, on a le professionnel qui ressort, on a une énergie masculine au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va y aller, on va laisser un petit peu sa part de féminité au niveau pro et on va laisser passer au-dessus sa part de masculinité. On va aller au taquet, quoi. Ce mois-ci, au niveau professionnel, ça va y aller à fond. On nous parle de contrat, on nous parle de retour. Après une période peut-être un peu creuse avec la carte de l'enfermement, une période creuse au niveau professionnel, au niveau projet, où on n'arrivait pas trop, on n'avait pas trop cette motivation de mettre les choses à jour. On a le retour au contrat, on a le changement, on a la joie, on a les cadeaux, les belles opportunités, on a le soutien. Donc on voit une machine qui se remet en route, d'où la carte de l'énergie masculine qui ressort dans ton jeu. Déjà, c'est peut-être un homme qui va te débloquer. Bloquer ta situation et qui va te sortir de cet enfermement, si on regarde vraiment les cartes avec le personnage. Mais je ressens beaucoup cette énergie masculine, cette énergie où on va au front, où on se laisse pas marcher sur les pieds. On est un petit peu moins subtil, un petit peu moins gnagnon, j'ai envie de dire, et on va droit au but. Voilà, là ce mois-ci, c'est quelque chose où on fonce, on a cette énergie vraiment de vainqueur, de chevalier. Voilà,
On a le changement qui est en train de se mettre en place, on a de belles opportunités, on a des concrétisations, des contrats, des partenariats, des associations. On a le retour à une vie professionnelle assez fructueuse. Allez, on sort de l'hibernation là, les Sagittaires, c'est très très bien. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Hop là, l'argent qui ressort. L'argent qui ressort. Il y a de la musique. Je ne sais pas d'où ça sort. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, au dos des cartes, toujours pareil, j'ai remué, on a le contrat. Donc attention, il va y avoir des signatures assez importantes ce mois-ci, des concrétisations assez importantes. Tu l'adaptes à ta situation, mais on a quand même quelque chose de plutôt canon là, hein. Toujours cet homme qui est présent, hein, l'énergie principale, c'est le masculin, hein, d'accord? On a toujours cet homme, on a ce contrat toujours qui traîne. Putain, j'ai mélangé, c'est incroyable. Toujours cette notion de changement, de déménagement, de mutation, on a ce changement. De joie qui est présent, il y a peut-être un changement de hiérarchie, tu vas passer d'une femme à un homme, d'accord? Mais il y a cet homme qui t'apporte un contrat. Donc, il se pourrait que tu reçoives un contrat de la part d'un masculin, d'un homme, mais pour moi, cet homme va jouer une pièce clé dans ton mois d'avril. Allez, le tirage. La demande, les accusations, demande, réclamation, les disputes, le temps, la famille, l'argent et la protection. Bon, on a la protection financière. Moi, je pense que là, les Sagittaires, vous avez passé quelques mois un petit peu difficiles. Vous avez essuyé quelques accusations, peut-être de la part de certains membres de votre famille. Pour moi, on sort d'un état d'esprit relativement négatif. On voit une protection financière qui ressort, on voit un contrat de travail ou un contrat par rapport à un projet ou par rapport à une maison ou par rapport, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on voit beaucoup de changements, on voit beaucoup de joie. Il y a peut-être un éloignement par rapport à certains membres de votre famille, d'accord? Donc du coup, vous allez vous sentir que mieux. Vous allez peut-être prendre vos distances avec certaines personnes de votre famille, de votre entourage, mais pour moi il y a un contrat, il y a la joie, il y a la protection financière qui ressort aussi. Peut-être que voilà, c'est ça le message que j'ai reçu tout à l'heure, peut-être que vous essuyez des critiques dans le sens où on vous dit ouais, tu travailles pas, il serait peut-être temps pour toi de travailler, t'es un feignant, t'es une feignante, ou alors ce que tu fais c'est pas bien. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'accusation de la part de personnes proches. On voit un temps que vous avez passé à essuyer tout ça, les critiques faciles en fait, hein. Mais je sais pas pourquoi on nous parle de protection financière. Peut-être que vous allez réussir à être indépendant financièrement. Et du coup, vous allez pouvoir faire taire certaines mauvaises langues dues à ce contrat. Pour moi, il y a vraiment au niveau des concrétisations, au niveau professionnel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va te donner ta chance au niveau pro. Tu vois, franchement, on a la hiérarchie qui ressort, on a la réussite qui ressort, on a des formations qui ressortent. Enfin, pour moi, tu prends ta vie en main, tu reprends ta vie en main. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sors de ton hibernation. Peut-être que tu as été enfermé par des personnes psychologiquement, hein, des personnes qui essaient de te faire croire que tu étais nul et que tu valais rien et que c'était pas bien ce que tu faisais. Ça fait peut-être un bon moment que tu es sur ce genre d'accusation. Mais pour moi, tu sors de cette hibernation, tu réussis à reprendre ta vie en main. Et cette fois-ci, on voit que tu deviens indépendant. Voilà, tu réussis à te gérer tout seul. Tu prends ta vie en main. Tu fais des formations, tu fais des apprentissages, tu vas chercher des contrats, tu déménages, tu t'éloignes, il y a la joie, il y a la protection financière. Voilà. Peut-être c'est cet homme aussi, hein, qui va te prendre sous son aile et qui va t'aider à avancer, d'accord? Qui va t'aider à sortir de ce parapluie de critiques que tu reçois depuis un certain temps. Mais on voit au mois d'avril, en tout cas, des concrétisations, ok? La protection financière peut être aussi par rapport à une demande de prêt. Peut-être que tu vas faire une demande de financement, une demande de prêt qui va être acceptée, qui va te permettre de mettre en place ta nouvelle vie, de t'éloigner de ces mauvaises paroles et de ces mauvaises personnes. Mais en tout cas, petit Sagittaire, on voit un certain temps qui a été relativement difficile pour toi. Il a fallu que tu t'accroches, hein, parce que les cancans, les mauvaises paroles, les accusations, t'as été pointé du doigt vraiment pendant un bon bout de temps et il va falloir que tu reprennes confiance en toi. Et on voit que c'est ce que tu es en train de te mettre en place. C'est ce que tu es en train de mettre en place, d'accord? Tu reprends ta vie en main, donc tu essayes de reprendre la confiance en toi, tu vas essayer de faire péter ces blocages, tu vas essayer de te coucouner. Enfin, on voit que tu passes d'un extrême à l'autre. Voilà, il y en a marre, ça suffit, tu tournes une page, tu ne crois plus à ce qu'on te dit et tu vas essayer de travailler tout ça. Voilà.
C'est bien. Allez, c'est parti. Allez les scorpions, c'est à vous pour le mois d'avril. Alors, les scorpions. Un verdict qui tombe les scorpions pour le mois d'avril. La projection et j'ai entreaperçu aussi le changement qui ressortait juste en dessous. Donc il y a un verdict qui tombe. Donc il se pourrait qu'il y ait une réflexion que vous avez mis en place déjà depuis un moment. Et il se pourrait que vous preniez une décision entre le printemps et l'été cette année. Peut-être que vous allez raccourcir quelque chose. Peut-être que vous aviez décidé de mettre en place quelque chose en fin d'année et que finalement, vous allez le mettre en place printemps-été. Voilà, il y a un verdict qui tombe et pour moi, il se pourrait qu'il vous raccourcissiez quelque chose par rapport à une décision que vous vouliez prendre. Peut-être que cette décision, vous avez décidé de la prendre en fin d'année et décidément, finalement, vous avez décidé de la prendre plus tôt, donc printemps-été. Allez. J'espère que ça vous parle. C'est difficile de vous expliquer réellement ce que j'ai en tête en fait. Allez, prendre les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, la protection, le bouclier qui ressort pour ce mois-ci. C'est peut-être vous qui allez vous mettre en mode protection, hein, justement. C'est pour ça que vous allez prendre une décision beaucoup plus vite que prévu. Allez, l'énergie principale, la réunion. Le verdict, la réunion, ça peut parler de hiérarchie cette carte-ci, mais ça c'est vraiment les discussions. C'est la table ronde, hein, celle-ci. Hein. C'est quand vraiment il y a un... Comment dire? Oh, comment t'expliquer ça? Réunion de crise. Voilà, c'est ça que je ressens. La réunion de crise. Ah ouais, je sens qu'il y a un truc qui va se passer beaucoup plus vite que prévu, ou en tout cas vous allez anticiper quelque chose. Allez, le tirage, la séparation. Un départ à la retraite. L'amitié et la sincérité. Ah, on quitte des collègues. Les accusations, la demande. Moi, pour moi, il y a un départ à la retraite plus vite que prévu. La joie, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Le contrat, la signature. Et la chance. Voilà. Donc, je pense que vous allez sauter sur l'occasion. Alors, je ressens des départs à la retraite anticipés pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de se mettre sous une protection, de se protéger de quelque chose. On n'en peut plus. C'est bon, on n'est pas quelques mois près, finalement, je ne prends pas ma retraite à la fin de l'année, je la prends un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, ça ressort pour le printemps-été, d'accord? Vous avez peut-être essayé de tirer jusqu'à la fin de l'année, mais voilà, hein, on n'est pas à 6 mois près, c'est pas grave, je vais le mettre en place pour cet été. Il y a cette notion de réunion de crise, ça me fait penser au gouvernement, cette carte-là. Ouais, il y a cette notion de réunion de crise par rapport à une séparation, pour quitter quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était juste, voilà, dans les pensées, c'est bon, je vais tirer jusqu'à là, ou on va tirer jusqu'à là, et finalement, on a envie que ça aille plutôt que prévu. Donc, on va mettre les choses en place pour que ça arrive plutôt que prévu. Séparation amitié, séparation bonne collègue. Je ressens, comme je vous ai dit, des départs à la retraite anticipés. Il y a une demande qui va se faire avec cette carte-ci, d'accord? Et on a la joie, le contrat et la chance. Ces trois cartes-là qui sont ressorties après. Donc, on voit qu'il y a vraiment une séparation, mais c'est une séparation qui sera voulue de votre part parce que cette séparation, on a la joie qui est juste en dessous. Donc, moi, je l'associe au départ à la retraite parce que c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti. Maintenant, ça ressort pour le printemps-été. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez commencer à mettre en place maintenant. Hein, d'où la réunion de crise, mais qui se concrétisera après sur le printemps-été. Hein, ça, vous le verrez, d'accord? Mais c'est une séparation qui vous met en joie. C'est une séparation qui vous met en joie. Donc, d'où la carte de la protection et du bouclier. Ça peut être une séparation par rapport à un lieu professionnel où vous avez fait votre temps et du coup, vous allez quitter. Mais vous allez quitter en bon terme avec la carte de l'amitié et de la sincérité. Ça peut être par rapport à un déménagement. Ça peut être par rapport à une retraite. Mais on voit que vous allez demander une séparation anticipée. Il y a un départ anticipé que vous allez mettre en place au mois d'avril. Il y a une demande par rapport à un départ anticipé. En tout cas, on vous dit que voilà. C'est une belle opportunité. On a la carte de la chance qui est sortie pour tous les signes pour ce mois d'avril. C'est un truc de fou. On vous dit, voilà, chope ton opportunité, attrape ta chance. Il est temps que tu mettes un petit peu de joie et de bonheur dans ta vie, que tu arrêtes d'encaisser les choses et que tu partes enfin te reposer ou que tu ailles sur quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour ce mois d'avril, les scorpions,
Vous vous mettez en mode protection, vous arrêtez de tirer sur la corde et de presser le citron, et vous osez ouvrir enfin les yeux et vous osez quitter une situation qui vous fatigue et qui vous convient plus pour aller sur autre chose. Enfin, j'ai envie de dire. Allez, je bois un peu de café. Les balances. Allez, les balances pour le mois d'avril. À la coupe, la projection, la réflexion. Alors là, il y a la grosse introspection qui se met en place, les balances. Et le cadeau. Alors, je pense qu'il va arriver sur votre chemin une super belle opportunité avec la carte du cadeau. Il va y avoir quelque chose de très positif, une très belle surprise qui va arriver sur ton chemin. Maintenant, cette surprise, elle va te faire cogiter à fond. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit la projection, c'est-à-dire la réflexion vraiment profonde. C'est pas le caprice, c'est vraiment la réflexion profonde. On voit que tu vas cogiter à fond par rapport à cette belle opportunité. Il y a une proposition de changement qui va se mettre en place pour toi. Ça peut concerner aussi le domaine sentimental. Il y a peut-être une belle rencontre qui va arriver sur ton chemin. Maintenant, on voit que tu vas faire une grosse réflexion autour de ce cadeau qui vient à toi. Peut-être que, voilà, on voit que c'est une belle opportunité. Hein. On a la carte de la chance. Putain, elle est sortie pour tous les signes, cette carte-là. Maintenant, cette carte de la projection, ça peut être le fait que, voilà, il y a une belle rencontre dans le domaine sentimental, ok. Maintenant, tu ne retournes pas dans tes travers. Tu arrêtes d'être jaloux, jalouse. Tu ne te comportes pas comme ça. Tu arrêtes d'être un gamin ou une gamine. Tu te conduis en adulte. Tu vois, c'est ça, cette notion de réflexion. On voit que tu es conscient que c'est quelque chose de super bien qui vient à toi. Maintenant, toi, tu vas essayer de changer ton comportement pour que cette fois-ci, ça se passe bien. Je t'ai donné le domaine sentimental. Et même, ça peut être le domaine professionnel aussi. Allez, on va faire le tirage. Oh, j'espère que ma vidéo ne va pas s'arrêter. Ça fait une heure, il ne me reste qu'un signe. Je suis jamais allée aussi loin. Oh, j'ai peur. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez. Ah. Le dos des cartes. Le choix. Le changement de direction. Tu vois ? L'opportunité, le cadeau. Il y a quelque chose qui va te permettre de changer quelque chose dans ta vie en ce mois d'avril. L'énergie principale, on a l'échec qui ressort. Est-ce que cet échec, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller sur quelque chose de positif, s'il vous plaît. La séparation. Donc tu vois, il y a bien quelque chose qui se termine pour toi. Il ne faut pas que tu le prennes comme un échec. Hein. C'est pour de la nouveauté. Hein. Il y a un changement de direction. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a le retard et la victoire, tu vois. Il ne va pas falloir que tu luttes sur ça. Parce que tu vois, on a vu le cadeau qui venait vers toi, on a vu la belle opportunité qui venait vers toi, mais on voit beaucoup de réflexion. Il ne faut pas que tu le prennes comme un échec, en fait, ce qui vient vers toi en ce mois d'avril. C'est une belle opportunité qui t'amène à la victoire. En fait, il y a quelque chose qui sort de ta vie ce mois d'avril, c'est quelque chose qui devait se faire pour que tu puisses accéder à la victoire. Allez, le tirage. Tu vois, oh putain, beaucoup le mental, les balances. Faites attention au mental ce mois-ci. Le temps. Ne vous prenez pas la tête. L'hérédité qui ressort. Il y a une stagnation assez longue hein, dans ton jeu. Hein. La distance. La jalousie. En plus, on te met des bâtons dans les roues. La réussite. Voilà. Attends. Me débouche les oreilles. Ah. On a la réussite, on a la reconversion, on a un nouvel apprentissage. Bon, j'ai l'impression que cette séparation, il était temps qu'elle arrive en fait. Hein, parce que je pense pas que tu sois entouré de super bonnes personnes ou en tout cas de bonnes énergies. On voit que ça fait un moment que tu es entouré de plusieurs cartes de serpents. Tu es enfermé dans un conditionnement qui te fait penser que tu es nul et qu'il n'y a aucune confiance en toi. Pour moi, l'échec et la séparation, elles t'amènent à la victoire. Et il était temps que ça arrive avec la carte du retard. Peut-être que c'est toi qui vas enfin ouvrir les yeux avec la carte de l'introspection qui est ressortie, la carte de la réflexion profonde. Tu vas enfin comprendre que la chance de ta vie ou ce que tu dois faire sur Terre, c'est pas là où tu es actuellement. D'où cette notion de chance, c'est peut-être ça, c'est le fait de comprendre. C'est peut-être, ça sera peut-être ta chance d'aller sur quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, là, dans ton jeu, ça fait trop longtemps que tu es entouré d'énergie négative ou de personnes négatives pour toi. Il est temps que tu mettes quelque chose de nouveau en place, que tu apprennes de nouvelles choses, que tu fasses une reconversion, que tu recommences quelque chose à zéro. Pour moi, c'est ça, les examens, la formation, c'est quand on recommence quelque chose à zéro, quand on refait un point de départ. Voilà.
Attends-toi effectivement à ce qu'il y ait quelque chose qui ressorte, qui sorte de ta vie en ce mois d'avril, mais ne prends pas ça comme un échec. Ce n'est absolument pas un échec. C'est quelque chose qui va t'amener à la victoire. Parce que pour moi, là, on te bloque. On te met des bâtons dans les roues. La jalousie. Pour moi, tu es entouré de personnes. Ça me fait penser à la perversion narcissique qui t'ont enfermé dans quelque chose que tu as cru pendant un bon bout de temps. Et tu vas sortir de ce conditionnement. Comment, je ne sais pas, comment tu vas ouvrir les yeux, mais pour moi, ce mois-ci, tu ouvres les yeux. Et tu te sépares d'une situation dans laquelle tu étais depuis un moment qui te mettait en position d'échec. Et on voit que tu vas voler de tes propres ailes et que tu vas faire des choses pour toi. Tu vas apprendre quelque chose pour toi. Tu vas faire quelque chose que tu aimes. Donc cette séparation t'amène à la victoire. Tu vois, hein, tu l'adaptes à ta situation. Hein. Mais en tout cas, le cadeau pour moi, le cadeau et l'âme, la réflexion qui est ressortie dans ton jeu, c'est que tu ouvres enfin les yeux sur la situation et tu quittes cette situation qui te mettait complètement en échec, en position d'échec. Donc tu as un moi, certes, qui risque de te faire mal si tu ouvres les yeux. Mais ça t'amène sur ce que tu aimes vraiment et sur ce que tu veux vraiment faire. Et ça va surtout te redonner confiance en toi, parce que là, la confiance, elle n'y est plus du tout parce qu'on te l'a prise. Mais pour moi, tu vas la retrouver. Allez, c'est parti. Allez, les béliers, c'est à vous. C'est parti pour le mois d'avril. Les derniers. J'ai mis pause, je suis allée grignoter un truc. J'ai faim. C'est 1 heure, ça fait 1 heure que je suis sur la vidéo, j'ai la dalle. Allez les béliers, en plus je reprends mes consultes à 2 heures là, donc pas avoir le temps de manger. Hein. Fatalité les béliers, déception pour le mois d'avril. Pas grave, les déceptions en général, hein, elles t'amènent à voir vraiment les choses. L'amitié, donc tu risques d'être déçu par rapport au niveau relationnel hein, ce mois-ci. Hein. L'étranger. La déception, l'amitié, le soutien, il se pourrait que tu sois déçu par certaines personnes. Peut-être que tu vas essayer d'aller chercher du soutien ce mois-ci ou que tu pensais pouvoir compter sur certaines personnes et en fait, au moment où tu vas en avoir le plus besoin, ben, ces personnes ne seront pas là. Donc, il y a vraiment cette notion de déception par rapport à de l'amitié ou par rapport au relationnel ce mois-ci. Allez. L'ouverture, la réussite. Les solutions, la chance, la distance, ouais, donc tu vois, hein. Au moins, tu verras le vrai visage de certaines personnes. Tu risques d'être déçu sur le coup, mais au moins, tu sauras sur qui tu peux compter à l'avenir, quoi. Six et sept. Allez, au dos des cartes. Le boomerang. Le karma revient toujours. D'accord? Ça, tu le gardes en tête. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Allez, l'énergie principale, le retour. Bon, mais il y a pas mal de choses qui te reviennent à la figure, là, hein, petit bélier. J'espère que tu as été sage, attention. Hein. On a le retour. Donc, il se pourrait qu'il y ait le retour d'une situation dans ta vie ce mois-ci, au mois d'avril. Le retour à quoi? On va regarder le tirage. On a une femme. Donc, dans le domaine sentimental, ça peut être en rapport avec une femme. J'ai pas l'amour, mais j'ai ressenti comme ça. On a. Le retour d'une femme où il y a eu la fatalité, peut-être que par le passé aussi tu as été déçu par une personne, notamment une femme, une personne féminine, ouais, une femme. Il se pourrait qu'il y ait eu des disputes ou que tu aies été déçu par cette personne. Ça peut être autant en amitié qu'en famille. Et il se pourrait qu'après un certain temps où vous êtes un petit peu perdu de vue ou vous vous êtes un petit peu boudé, cette personne revienne dans ta vie. Ah, regarde, ça peut être le domaine sentimental aussi. L'amour est ressorti par rapport à cette femme. La naissance, on réessaye. Les paroles et les désaccords. Bon. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, les béliers, il se pourrait qu'il y ait le retour. Alors, c'est l'énergie, c'est une vidéo générale. Hein, donc, ça peut être une femme comme un homme. D'accord? En tout cas, on a une tierce personne. On a un personnage qui ressort dans ton jeu. Et ça pourrait être dans le domaine sentimental. Il se pourrait que vous ayez eu une relation sentimentale par le passé. Et que là, pendant un certain temps, vous n'étiez plus du tout en accord tous les deux. Mais il se pourrait que vous donniez une nouvelle chance avec la carte de la naissance, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait une reprise avec un ou une ex-partenaire dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Voilà, après une période difficile, peut-être que vous n'êtes pas séparés hein, et que vous allez vous retrouver. Ou vous avez eu une période difficile où vous n'arrêtez pas de vous disputer ou
ça collait plus, vous n'arriviez pas à retrouver la personne que vous aviez en face de vous, la communication était très difficile, on allait sur déception en déception, et là on voit que vous vous retrouvez en ce mois d'avril, d'accord, il y a cette notion de complicité qui revient, on se redonne une chance, ou alors vous allez enfin retrouver l'amour que vous aviez connu par le passé, d'accord, la personne que vous avez connue par le passé, il y a cette notion de passé qui revient dans votre vie en ce mois d'avril. Après une période aussi difficile pour certains d'entre vous, remplie de retards, de fatalités, de déceptions, de désaccords, de mauvaises paroles, de disputes, de mauvaises langues autour de vous, on voit la naissance, le renouveau, comme le printemps, d'accord ? On voit quelque chose qui se remet en place. Vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Après une période un petit peu chaotique ou une période remplie de déceptions, vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité un petit peu sur votre chemin, ce qui n'est pas plus mal, d'accord ? Ce qui va vous permettre de mettre de la construction dans votre vie, de faire entrer de la nouveauté, d'entamer de nouveaux projets, de faire de nouveaux, un nouveau travail peut-être, une reconversion professionnelle, ok ? Il y a la naissance de nouvelles choses aussi. Après un certain temps difficile, on voit que le printemps rentre dans ta vie aussi. Au niveau sentimental aussi, ça peut nous parler de nouvelles rencontres. La naissance, l'amour, ça peut nous parler de nouvelles rencontres pour les célibataires. Après avoir essuyé des relations un petit peu compliquées, où à chaque fois ça se cassait la gueule, ça se cassait la figure, il se pourrait qu'il y ait the rencontre au mois d'avril pour certains d'entre vous. D'où le retour d'une relation sentimentale, mais une relation avec un grand R. J'ai envie de dire. Voilà. Bon, pour synthétiser un petit peu les béliers pour le mois d'avril, pour moi, après une période assez chaotique, une période remplie de déceptions et de désaccords et de disputes et de retards dans vos projets, il y a la naissance, la renaissance, la floraison, l'ouverture qui se met en place pour toi ce mois-ci. Voilà, il y a le retour à l'apaisement, le retour aux belles opportunités, le retour au contrat, le retour au domaine sentimental. Tu l'adaptes à ta situation, mais pour moi, le plus gros est derrière toi. Tu as réussi à traverser l'hiver rempli de blocages et de déceptions et de négativité. Et là, tu vas pouvoir un petit peu t'apaiser et te reposer parce que pour moi, le mois d'avril est plutôt fructueux pour toi. Voilà. Bon, ben écoutez, on a fini. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis trop heureuse. J'ai réussi à faire ma vidéo du mois d'avril. On est le 5, mais c'est pas grave. Je vais vous la poster aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. J'ai pas pu la faire parce que franchement, les vertiges me mettaient KO. J'ai eu 3 semaines où j'étais complètement à l'ouest. Là, tu vois, j'ai tenu 1 heure de vidéo. Je sens que mes yeux commencent à être fatigués. Donc, il était temps que ça se termine quand même. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous éclairer. Que ça a pu vous, par rapport aux situations, que ça a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vais la poster maintenant. J'espère qu'elle arrivera avant ce soir. Si elle arrive avant ce soir, je vous dis à ce soir en tout cas pour les énergies de demain. Et je vous souhaite à tous un super beau mois d'avril. Salut, salut !